Un vote municipal aux allures de provocation. Désormais à Nelson, chaque foyer doit posséder une arme. Le chef de la police de cette paisible bourgade de Géorgie approuve la mesure. Lui-même ne sort jamais sans être surarmé. Sur moi, j'ai une arme, deux, trois, et voilà la quatrième. C'est une loi pour décourager les criminels. Si vous êtes un sale type, vous n'allez pas prendre le risque de cambrioler une maison ici, car 99% des gens sont armés. La mairie précise que les déficients mentaux, les handicapés physiques et les repris de justice sont exemptés de l'obligation. Quoi qu'il en soit ici, quasiment tous les citoyens ont déjà en permanence une arme à portée de main. La voilà la mienne. Vous savez, il ne faut pas avoir peur des armes. Ce ne sont pas elles qui tuent, ce sont les gens qui les portent. L'argumentaire peut surprendre, mais dans ce sud rural, posséder une arme est une affaire d'éducation. Ce grand-père approuve la décision de la mairie. Seul moyen, pense-t-il, d'empêcher le gouvernement fédéral de restreindre le droit pour tous d'être armés. Dans son foyer, tout le monde a son fusil, y compris les enfants. So what is that? C'est mon fusil calibre 410. C'est le tien? Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, je tire, évidemment. Ici, on utilise son fusil pour chasser, pas pour tuer des gens. Ça n'a jamais posé de problème. Nelson a en effet un taux de criminalité très bas par rapport à la moyenne des États-Unis. L'arrêté municipal n'a donc pas vraiment d'utilité, c'est en fait surtout un pied de nez au président américain. Cette figure locale explique que cette provocation vise directement Obama, ce président qui essaie en vain de réduire le nombre d'armes en circulation aux États-Unis.